Mes travaux de recherche consistent principalement à développer des nouvelles technologies pour assurer l'innocuité alimentaire, donc des aliments qui sont sains, sans pathogènes, isoler et identifier des molécules qui sont présentes dans les aliments qui ont des effets bénéfiques pour la santé, et également utiliser des sous-produits alimentaires pour développer des emballages biodégradables qui ont des propriétés bioactives telles que antioxydants et antimicrobiens. 30 % des cancers sont directement reliés au régime alimentaire. L'importance de mes travaux est, par exemple, liée à la prévention de développement de diverses maladies, telles que les maladies alimentaires dues à la présence de bactéries, mais aussi à la prévention de maladies dégénératives. Grâce au support que j'ai eu de la Fondation, nous avons été capables de démontrer que certaines bactéries lactiques qui sont présentes dans les yogourts pouvaient avoir un rôle très important lié à la destruction d'une lignée de cellules cancéreuses de l'intestin. Nous avons également démontré que certaines molécules présentes dans les épices pouvaient tuer plusieurs bactéries pathogènes comme le Listeria, Salmonella et E. coli. Alors, merci.